Cet intérim est une agence de travail temporaire, généraliste. Elle a été créée en 1987. Elle compte actuellement 8 agences sur la Bourgogne. Donc c'est une entreprise familiale. On compte une assistante par agence. Donc Anne sur l'agence du Creusot, Carole sur l'agence du Monceau. On a Agnès Paris qui est directrice commerciale. Et donc moi qui suis au poste de responsable sur les deux agences. On fait tout, tout ce qui est salaire, contrat, recrutement. Voilà, tout est centralisé et on est polyvalent. On veut rencontrer les gens, ça suffit plus. Il faut aller chercher, voilà, il faut se déplacer, il faut rencontrer des gens, il faut s'allier des bons partenaires. On va aller chercher surtout un public qui va être éloigné de l'emploi ou issu de l'insertion. Et c'est ce qu'on va essayer de vendre à nos entreprises principalement, en demandant aux entreprises de les former. Pour nous, c'est un peu notre cheval de bataille à l'heure actuelle, puisque c'est compliqué de trouver du personnel par les canaux basiques. L'insertion, le public éloigné de l'emploi, c'est des choses effectivement qui nous tiennent très à cœur. On est là pour les accompagner et les aider à aller sur le marché de l'emploi. Donc effectivement, on fait pas mal d'interventions, par exemple avec Agir, les garanties jeunes, où on s'investit beaucoup, où on fait aussi des parrainages sur ces jeunes, pour les accompagner, pour les aider sur tout le long de leur parcours et nous, après, pouvoir faire le tremplin pour les emmener sur le marché du travail. Et ça fonctionne. Avec Agir, c'est un super partenariat. moi, je suis là depuis bientôt 4 ans. Ça s'est fait petit à petit et on a instauré vraiment, vraiment des très bonnes relations. Je pense que Marine, avant de venir me rencontrer pour me parler du label, elle savait déjà un petit peu les actions qui étaient mises en place. C'est vrai qu'après, quand elle m'a parlé du label, finalement, ça a été une évidence. Et ça m'a permis aussi de mettre en valeur les actions qu'on met en place. Et en plus, voilà, ça permet aussi, ensuite, avec toutes les autres entreprises labellisées, de pouvoir échanger nos problématiques, parce qu'il y a beaucoup de problématiques quand même, et surtout aussi d'avancer, parce que des projets, on en a plein. Donc, ça va nous permettre, grâce au label et avec tout ce que ça engendre, de pouvoir réaliser tous ces projets. C'est une reconnaissance, un bel aboutissement de ce qu'on a pu mettre en place depuis le début.